Nous, ce qu'on a, on a fait, on a réagi au niveau. Ça fait un moment qu'on suit le dossier. Donc, c'est vrai que la nouvelle nous a navré hier quand on a appris ça. Et nous, on s'est dit, bah, les 24 chômeurs, on va les aider à retrouver du travail parce qu'ils se retrouvent à la porte. Et pourquoi pas justement faire ce dispositif d'abattoir mobile? C'est des petits camions qui ne vont pas coûter extrêmement cher à faire, mais au moins on pourra reconvertir les 24 personnes. Ça fait 24 foyers et tout ce qui est autour dans ces métiers de tueurs, conducteurs de travaux ou au niveau abattage et débitage des carcasses. Est-ce que ce ne serait pas une solution à envisager? Ça ne nous coûterait pas 1 million d'euros comme ce qu'on va injecter à Fruges. Ça nous coûterait beaucoup moins. Et là, on serait acteur, on réagirait tout de suite et au moins on sauverait 24 emplois sur Montdidier. Et on sauverait aussi les agriculteurs qui se retrouvent face à un vrai dilemme, du coup, qu'il n'y a plus d'abattoir. Voilà, merci beaucoup. Qui d'autre?